Allez, go, prends. Fais le bout. Fais le bout. Yes, super, c'est bien. Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dogs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo tuto parce que vous êtes beaucoup à me demander des conseils sur ma page et c'est pas facile de répondre par message. Ça va être une vidéo sur comment apprendre à son chien à rapporter le jouet et à vous le donner. Avoir besoin d'une corde, donc moi c'est un tug, mais franchement ça revient au même. Il faut pas quelque chose de trop long, sinon le chien va marcher dessus quand il va essayer de vous le ramener. Le jeu, c'est avant tout un moment de complicité avec son maître et du partage entre le chien et le maître. Donc je trouve qu'une corde c'est vraiment parfait parce qu'on relie directement le chien à nous. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de lancer le jouet pour que le chien court après. Alors en général, n'importe quel chien court après, mais vous pouvez, avant de le lancer, faire des petits mouvements sur le sol. En général, les chiens sont vraiment attirés par ça. Donc vous attendez bien que le chien aille chercher le jouet. Et une fois que le chien l'a, vous courez dans l'autre sens en l'appelant, en faisant des cris, en tapant dans les mains, tout ce que vous voulez, pour donner envie au chien de revenir vers vous. Et là, quand le chien revient, vous le félicitez, vous essayez d'attraper la corde et vous tirez dessus pour jouer avec lui. Et puis vous lâchez pour laisser un peu gagner le chien aussi. Et pareil, là, vous courez dans l'autre sens en le rappelant. Et vous recommencez, vous jouez avec lui, vous tirez sur la corde. Il faut vraiment que ce soit un jeu, que le chien trouve le jouet plus intéressant quand il est avec vous que quand le jouet est tout seul comme ça. Et une fois que le chien revient systématiquement vers vous, chaque fois que vous courez dans l'autre sens, vous pouvez donner l'ordre rapporte pour qu'il vienne rapporter le jouet. Mais c'est pas encore le donner, c'est juste simplement revenir vers vous avec le jouet. Une fois que le chien est vraiment à l'aise avec ça, vous allez pouvoir lui apprendre le donne, donc le donne ou le lâche selon ce que vous voulez. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a certains chiens qui veulent garder le jouet. En fait, il faut vraiment que le chien, à tous les coups, chaque fois qu'il donne le jouet, il faut que vous le relancez. Parce que si c'est pour le reprendre, ben, le chien il va plus vouloir vous le donner. Et pour que le chien donne le jouet, alors il y a plusieurs façons. Moi, ce que je fais, c'est en mettant ses mains près de sa gueule, donc près de ses dents, et en général, le chien lâche. Et dès qu'il lâche, ben vous le félicitez et vous relancez le jouet. Vous pouvez aussi utiliser des friandises, mais moi je suis moins fan de mélanger jouet et friandises. Ou utiliser un deuxième jouet, ça peut être aussi une solution. Dans tous les cas, le jeu, c'est vraiment un moment de partage avec son chien. Et c'est là que la complicité se crée, je trouve. Ben, super! Voilà, vraiment le but, c'est de jouer directement avec le chien. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de commencer à courir après le chien pour jouer. Bon, je le fais parfois avec Aiko, mais il a l'habitude de donner le jouet, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais ça pourrait un peu gâcher le travail que vous avez fait, donc ce serait vraiment dommage. Du coup, voilà, j'espère que mes conseils vous seront utiles. Tu vas dire au revoir? Aboie. Voilà, Aiko vous dit au revoir et on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous voulez que je vous aide sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je filmerai d'autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner. On est sur Facebook, YouTube et Instagram sous le nom de The Flash Dogs. À bientôt.